Je voulais faire suite à la proposition de travail de Hassan Kouyaté, qui a travaillé avec eux sur, on pourra dire, comment est-ce qu'on construit un personnage et comment est-ce que ce personnage, au niveau du théâtre, établit un pont avec ce qu'on va appeler l'oralité, ce qu'il a appelé l'oralité. Sa thématique, c'était, n'est-ce pas, de l'acteur au conteur, quoi. De l'acteur au conteur, comment être sur scène. Et moi, j'ai profité de cette occasion pour dire qu'il y a aussi d'autres variantes en termes de possibilités de jeu. C'est d'écrire, n'est-ce pas, le personnage, de construire le personnage par la déconstruction. Essayons de ne pas essayer d'être dans la reproduction des choses qui ont fonctionné et de garder sa gamme. Est-ce que dans la gamme, tu déconstruis le corps de l'autre? Non. Ça a fonctionné peut-être au premier moment, mais ce n'est pas ça à la suite. Donc, c'est le travail d'écoute. Il n'y a pas un exercice où on va dire, bon, les gars, ouais, allez-y, faites l'écoute. Ça n'existe pas. Voici donc l'écoute. Qu'est-ce qui se passe sur le plateau et comment j'interagis avec cette situation? Où est-ce que je veux dire? C'est pour cela que j'ai enregistré. Il y a des petites situations qui sont assez microscopiques comme ça, où on peut greffer un texte pour dire, selon cette situation, mets un peu le texte pour faire entendre ce que ça fait. Vous voyez ce que je dis. Dans les grandes constructions où on invente d'abord le mouvement, on peut commencer à injecter des textes et prendre des schémas de direction par la suite. Et effacer le reste. On travaille pour la déconstruction. Voilà un grand mouvement général qui est bien construit. Après, on fracture tout ça parce que c'est le clou qu'on veut acheter à Evodula qui nous intéresse. Pour trouver le clou, là, il faut casser toute la maison. Et on prend la pépite d'or, le graal du clou. Je suis désolé, on va le prendre. Est-ce que c'est pas encore bon? Vas-y, oui, ce coup c'est bien. Tu sais pourquoi j'ai dit que tu es trop visible? C'est parce que quand tu travailles, le relâcher, le voici. Mais tu es comme ça. Et ça, c'est la garde. S'il me gronde, je pars. Cache. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que
un individu sont les terminaisons nerveuses. C'est les bouts de doigts, les pieds, tout ce qu'on regarde. Quand tu es relax, tu es vraiment relax, tout est relax. Mais dès que tu es là, cela veut dire que tu je t'en dis que c'est. Non, il n'y a rien. Et il y a toujours cette peur. Par exemple, je dis, l'autre est couchée ici, là. Elle ne dort pas. Elle joue à celle qui dort. Si tu la bouscules, quelle sera sa réaction? Mais personne n'ose. Parce qu'on se dit, Joyce, quand elle va manger, elle peut faire comment? Ce n'est que Joyce. Je mords très mal. Et c'est celle qui très bien. Tu mords un pied et tu entends la réaction. Et c'est le jeu. Comme ça dit qu'on voit comment un autre, un être humain réagit quand un autre l'a mordu. Est-ce qu'on a déjà même vu ça ici? On va commencer la lecture. On va passer à une autre étape de groupe. On commence. Je m'ennuie, je ne sais pas. Je me meurs, ça c'est sûr. 31 ans que ça dure. 31 ans que je suis enfermée, refermée dans ce berceau qui a bercé ma fuite, ma répugnance et ma vilaine bosse. Que le temps s'égrène si vite. Que les choses, les hommes et le monde se métamorphosent au temps lumière. Et moi, je suis toujours là, à guetter la nonchalance de mon pauvre cœur minable qui, à chaque grâce divine, trottine photocopie conforme de la mère tortue en saison de vache maigre. Peut-être qu'il nous dit quoi? Peut-être qu'il nous parle de personnes qui sont en sommeil, qui regardent ses propres défauts, qui aiment un truc. Ouais. Non. Un truc. Et après ça, il raconte encore quoi? Ok, et il raconte encore quoi? Ok, et il raconte encore quoi? L'immobilité. Parce que notre cerveau est devenu. C'est-à-dire que toujours donner le sens au sens qui existe déjà. On s'en fout, c'est dit. Tu vas relire le texte chaque fois, mille fois, pas te poser la question sur ce texte, tu diras exactement la même chose. Donne-moi un autre sens de ce texte. L'exploration était basée sur le fait de construire par la déconstruction, leur montrer un autre cheminement, aborder le texte, non pas parce que le texte a un sens, puisque de toute façon, un texte écrit, il a déjà une direction donnée, mais l'aborder à partir d'une direction kinesthésique, d'une direction du mouvement qui redonne du sens à tous les mots qui constituent le texte. Et pendant toute une semaine, on était en train de travailler sur le principe de la résonance du mot dans le corps. De faire comprendre aux acteurs que, en fait, le mot est organique. Cet univers sonore, deux fois le « je ». Ça peut être la chose qui m'intéresse le plus. Qui a dit qu'au théâtre, on doit s'intéresser exclusivement au sens logique du texte? Sinon, pourquoi monte-t-on Roméo et Juliette depuis 300 ans? Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est pourquoi il a mis je ici et je là. Ça devient assez intéressant. Je m'ennuie. Je ne sais pas. Voilà. Je crois. Crois. Ça. Tu. Crois. Crois. Qu'il y a une vie après la sortie du ventre. Ça. Crois. Semble. Ça c'est bien. Peu probable. Crois. Il y a une vie après la sortie du ventre. Ça semble peu probable. Il y a une vie après la sortie du ventre. Ça semble peu probable. Ça. Il y a une vie après la sortie du vent. Semble. Il y a une vie après la sortie du vent. Semble. Il y a une vie après la sortie du vent. Crois. Il y a une vie après la sortie du vent. Crois. Super. Ça fonctionne. On va reprendre ça. Maintenant, vous devez prendre la décision dans ce groupe par rapport à cette espèce. Parce qu'on a comme l'impression que tu crois, ma chère, tu. Tout de suite, ne serait-ce que par rapport à ça, on a comme l'impression que c'est un dialogue qu'il y a là. Même si on ne perçoit pas, on ne voit pas les protagonistes, ça peut être assez intéressant. Maintenant, vous avez la latitude, soit de laisser comme ça.
soit d'interréagir. Je suis là et je... Voilà. Cela veut dire que je dis aux spectateurs que c'est on est nombreux. Ou alors je reste comme ça et ça devient, comme pour le premier cas, une mécanique qui est en train de se dérégler ou bien de se... Voilà. Tu crois? Et toi? J'imagine qu'il pourrait bien y avoir une sorte de tunnel pour sortir du ventre, avec au fond une lueur. Et dès qu'on arrive au bord, on débarque dans la lumière aveuglante et on reçoit une bouffée d'en bas. En tout cas, cette sorte de sortie du vent, bon, l'atelier était un peu pénible physiquement, mais déjà, j'ai été très satisfaite à la fin. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs façons que j'ai découvert d'aborder un texte. Donc, et aussi dans la construction du personnage, Martin a utilisé ce mot-là qu'il aime bien, la déconstruction. Concrètement, au théâtre, cela veut dire qu'une phrase telle qu'on la connaît, une phrase telle qu'écrite par, je ne sais pas, Shakespeare, ou je ne sais pas, prend une direction et une intention donnée à partir du moment où elle est sur le plateau. Mais maintenant, soit une phrase physique, j'appelle cela les phrases physiques, c'est-à-dire qu'un ensemble de mouvements qui sont constitués par les éléments qui constituent la dynamique du mouvement chez l'homme, la déambulation, l'immobilité, le fait de s'asseoir, de se lever, tout cela qui constitue par exemple ce qu'on va appeler une phrase physique. On décide de déconstruire cette phrase physique à partir du principe de la célérité ou de la décélérité, de la fracture de la phrase, de mettre le début du mouvement à la fin ou bien la fin au milieu, ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, petit à petit, on commence à injecter dans ces phrases physiques les phrases du texte, justement, pour voir comment est-ce que l'adjonction des deux fabrique sur le plateau. Et ça donne un sens du mot, de la phrase, de l'intention de Shakespeare que Shakespeare lui-même n'aurait pas imaginé. Voilà. Et c'est ça que moi, j'appelle le principe de la déconstruction. J'imagine qu'il pourrait y avoir une sorte de tunnel pour sortir du vent. Avec le lueur au fond. Martin, déjà, ce n'est pas le metteur en scène qui va venir dire que j'ai écrit mon texte comme ça et vous allez le faire comme ça, ou vous allez faire tel ou tel mouvement qui va avec. Il nous donne la possibilité de créer, de fouiller en nous. Nous-mêmes, on sort de là avec des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il nous donne juste des éléments, et c'est ce qui me plaît le plus ici, c'est qu'il nous pousse à aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on ne peut même pas imaginer qu'on pourra faire. Donc, c'est ça qui m'a le plus marqué. En tout cas, cette soirée, j'imagine. Ok, c'est le mot parfait, je ne sais pas pourquoi il dit deux fois, c'est bien. Donc, c'est bien.